MV et OG. Et on part à Londres. Voilà. Bon, je me casse avec le vlog. Voilà. Tu as même pas droit à la caméra. J'avoue. Non mais on peut pas se serrer dans un lien à trois au pire. Hello les amis, je reprends officiellement les vlogs. Bah, ce soir je vais à Londres, mais aujourd'hui j'ai une conférence avec tout le groupe L'Oréal et TikTok France. Et je suis trop stressée, je vais devoir parler avec Richard devant tout le monde. Et c'est la première fois que je fais ça depuis l'université en gros, parler devant du monde. Et moi il faut savoir que je suis super timide. Donc là ça va être vraiment un exercice de ouf. J'ai jamais su parler sans les feuilles devant moi et là j'aurai pas de feuilles devant moi. Donc ça va vraiment être un exercice de ouf pour vaincre ma timidité. Ouais, du coup on est dans les locaux de TikTok. T'as hâte? Ouais, trop bien, j'ai trop hâte. On va parler de nos vies, on va parler de notre travail. On a trop hâte. L'endroit est trop beau. Bon, là on est à Gare du Nord, c'est là où on travaille avec MV. Non mais j'ai rejoint MV et OG. Et on part à Londres. Et ton vlog. Ah oui, oui. Là on est à Gare du Nord. J'ai pris des... Tu sais bien, ça coûte 20 euros, genre je peux le racheter, tu vois. Donc, ouais, bah ouais. C'est bien parce que c'est un fond. Ça donne vraiment pas envie aux gens, tu sais, de venir attraper ton sac et de se dire qu'on pense qu'il y a dedans finalement. Bref, sinon, c'était super bien. La conférence était trop bien. Je pensais pas être aussi à l'aise. C'était vraiment une super bonne expérience. Carrément, j'avais envie de continuer tellement c'était bien. En fait, j'avais envie de rester là et animer toute la conférence. Donc non, c'était une super bonne expérience et je pensais pas être capable de parler devant autant de monde. Donc, très sympa. Elle s'est mise à côté de moi, j'ai trop le seum. J'avais fait exprès de prendre une place genre toute seule. Non mais on peut pas se serrer dans un lien à trois au pire? Ouais. Je me chauffe. Attends, mais pourquoi? À la maison. Ah bah oui, mais moi je vais me chauffer. Hein. On va voir la taille des lits. Mais je pense à ça. Ouais. Moi ça dépend, mais si c'est trop loin, j'ai peur seule. Hein? Ah, moi ouais, je dors pas toute seule. Hein. Moi j'ai à vous dire, je dors pas seule. Hein. Personne n'osait dire. Ouais, c'est des mamans qui vont venir. Je vais me toucher et tout dans les draps. Tu dors au milieu ou pas? Ça m'arrange, comme ça je peux vous faire des câlins. Guys, on est arrivé à Londres, on a failli se faire agresser. Enfin, non, agresser. On a failli se faire pickpocketer. Sur le visage. On arrive à la gare et on sort. Et là, il y a le mec de la sécurité qui nous dit... Ah, tu mets le flash? J'adore. Il y a le mec de la sécurité qui nous dit, ouais, gardez votre sac. Le mec derrière moi, je crois qu'il veut vous pickpocketer. Du coup, bah, le mec qui voulait donc pickpocketer commence à s'embrouiller avec le mec de la sécurité. Et il voulait le gifler. On était en mode, waouh. Et en fait, ils nous ont suivis un peu partout. Et en fait, il y a eu la police qui est arrivée. Ils ont rien fait. Et je crois qu'on n'a pas compris à ma... Je crois qu'on n'a pas compris à ma story time. Ton temps d'écran s'efface bientôt. Ok, on est arrivé à l'Airbnb. Il est trop beau. Mais... Donc, ça, c'est notre Airbnb. Il est trop beau. Je vous mettrai le lien. On a un petit bain. Donc, on a une première salle de bain là. Qui donne sur le salon. Ensuite, on a une première chambre où on a mis toutes nos affaires et notre salle de bain. Je vais prendre des trucs. Je suis toute nue. Je suis toute nue, Louise. Je te demande de sortir de la chambre. Non, mais... Attends. C'est TikTok qui m'ont donné ça tout à l'heure. Dans un bain. Tu me dis là. Putain, on a tous pris genre deux top. Et en fait, on va dormir toutes les trois dans ce lit. Parce qu'il n'y en a aucune de nous qui veut dormir toute seule. Donc voilà. Oh, elle a laissé son téléphone. J'ai le TikTok de OG. On va faire un TikTok. Qu'est-ce qu'elle fait? Je sais pas. C'est mon téléphone? Non. J'ai cherché mon téléphone pour mettre la musique. Bah non. Je sais pas. Ce serait pas mon téléphone à tout hasard. Non. Non? Je sais pas, non, je faisais un TikTok. Ah, ouais. Avec ton téléphone. Avec ton téléphone. Avec mon téléphone. Avec ton téléphone. Et je rigole. Vu qu'on fait la même taille, est-ce que ça, je peux prendre vraiment tout tes... Oh non, on aurait dû inviter Miley. Oh non, c'est labo. Bref, du coup, mon petit look du soir. Non mais. Mon baggy, chemise,
Accenture Business. Bah, en fait, attends, je sais pas trop ce que je filme. On m'a tellement volé mes chargeurs, maintenant je mets mes initiales dessus. Moi je mets des autocollants sneakers, donc personne va me les voler. Bref, là on va au Soho ou à la Soho? Comme tu veux, c'est comme genre les toilettes, une toilette, un toilette. Comme tu veux. Ah ouais, c'est un... c'est moi qui choisis, genre. Ouais, comme la wifi ou le wifi. Bref, du coup, ouais, on va là-bas. Impossible. Vous savez que moi, je savais pas. Je suis allée pour la première fois de ma vie, il y a genre 2 semaines. Et je vais pour prendre mon plat en photo. Comme une influenceuse, je fais mon travail d'influenceuse de base. Et là, tout le monde m'attrape. Non ! Le serveur qui se retourne. Genre vraiment, on dirait que j'avais fait un meurtre. Et en fait, on n'avait pas le droit de prendre une photo. Hello tout le monde. Là, bah du coup, hier, on a bu un verre au Soho. Après, on a regardé Magic Mike parce qu'on n'avait pas vu le troisième. J'ai fait mon Nesquik avec du café aujourd'hui. C'est très moche. Vraiment, c'est... Je sais pas, en fait, j'en ai trop mis. Et ça pue le café. Genre vraiment, c'est pas super joli. Ouais. Et là, on est dans un salon de thé, un brunch. Tu kiffes? Putain, ça m'a... c'est lourd. Ça m'a fait mal au doigt. Ah, c'est pas une vraie anglaise. Non, attends. C'est bon, là, je suis une vraie anglaise, une vraie anglaise. On s'est posé dans un petit café. On va aller poser nos valises. Avec MV, on a pris des pancakes. Oh! Oji a une technique bizarre de faire des mouillettes. Vas-y, fais des mouillettes. En fait, c'était pas supposé être un œuf dur, mais mon frère l'œuf dur. Donc du coup, bah, je le mets sur du pain avec du beurre. Mais ça revient à faire des mouillettes, non? De base, je t'avais jugé, mais en fait, c'est smart. Ok, les gars, on est à Bandimelville. C'est vraiment le magasin où j'achète tout. Genre, je suis habillée en Bandimelville. J'ai vraiment... En fait, j'ai taffé là-bas, du coup, bah, je connais toutes les collections. En fait, le truc, c'est que... ils font des vêtements à petite taille et moi par exemple si je vais dans un magasin comme Zara, après moi je consomme pas trop Zara en général, mais le 32 ou le 34 ça me va pas dans les autres magasins, donc bah, je m'habille chez Brandy, c'est le seul magasin où les vêtements me vont, donc voilà. Je filme quand elle est sympa avec sa pote. Bon, depuis tout à l'heure elle trouve aucun spot pour faire sa petite vidéo, du coup bah, c'est Loulou le trépied. Si, dis le mec derrière là, il parle beaucoup hein. C'est du cirque. Voilà. Bon, je me casse avec le vlog. Voilà. Tu la tiens même pas droit la caméra. J'avoue que je fais zéro effort. Bon, Oji voulait un œil, ça s'appelle un œil. Un œil de protection. Ouais, un œil de protection. Sauf que tu peux pas te l'acheter à toi-même, sinon ça marche pas. Mais une personne peut te l'acheter si elle est de bonnes intentions. Du coup, elle m'a dit, tu peux me l'acheter. Du coup, je lui ai acheté son œil de protection. Je sais pas si ça marche si je demande, mais bon. Bah, au final, c'est moi qui te l'ai acheté. Je suis de bonnes intentions. Ok, voilà. Merci. Je t'offre si un œil. Elle m'a offert un œil de protection, Louise. J'ai repris de l'encens. J'ai pris. Oh my god, ça a l'air fun. Ah bah, il y a un livre Scorpio. Non, mais c'est vrai. Moi, je suis aussi d'accord. Mais il y a que des trucs Scorpio, mais c'est pour moi en fait. Ok les gars, on a dépensé tout notre argent. Non, en vrai, on a acheté plein de trucs, je vais vous montrer, je vais faire un petit haul. Et là, on s'est arrêté manger un petit haul. Elles ont l'air crémeuses, elles ont l'air archi bonnes. Et toi, t'as pris quoi? Là, t'as la fouf. Je suis pas à la fouf, maillot brésilien, je sais pas. Sur plus de tickets de métro. Guys, je vais vous faire un haul. J'avoue que je me suis fait plaisir. J'ai acheté plein de trucs. C'est ma semaine d'anniversaire. Donc, je me suis acheté plein de cadeaux. Chez Lululemon's. Je suis choquée par contre comment c'est super cher. J'ai pris ce leggings pâte d'œuf. Très sympa. Et cette veste, on est allé à Selfridges et il y a un espèce de côté vintage, enfin genre où ils revendaient des pièces vintage. Du coup, bah, j'ai pris cette veste Evisu. C'était très dur de rentrer dedans. J'ai pris ça. Wow. C'est... En plus, j'ai mis une culotte, du coup, bah, ça se voit. J'ai l'impression qu'il faut pas mettre de culotte avec ça. Mais ok, ensuite ça va mieux, c'était plus facile à enfiler.
très sympa. Bon, chez Brandy Melville, j'ai pris cette petite jupe, ce petit top, cette veste que du coup j'ai aussi en gris. Vas-y. Regardez ce que j'ai acheté. Elle est trop belle. C'est pas grave qu'elle soit large, non? Ça fait un peu genre là. Non, c'est trop beau. Ça fait genre. Ouais. Montre ton tatouage derrière, c'est trop. J'ai pris en bleu marine aussi. Il a pris le même. Voilà. Un petit top à manches longues. Et ça, c'est quoi? Ah oui, c'est un petit pot. Très sympa. Très sympa. Voilà, voilà pour le petit haul. J'espère que vous avez kiffé. Parce que moi, j'ai kiffé. Mon portefeuille a kiffé aussi. J'ai pris ma caméra parce que du coup, je sais pas en fait, on sort. Je ne vais pas sortir avec ma caméra. Et on est arrivé. On va voir Magic Pond. Ah, y'a pas de ça, j'ai l'impression qu'on est pas dans le pont, allô. Ça ressemble pas aux vidéos, babe. On va aller poser nos valises chez la pote de MV et après on va faire un peu de shopping et après on prend le train ce soir. Mais la copine de MV quoi. Ta copine de MV, Camille. Camille. Je vais pas raconter mais du coup hier on a fait Magic Mike, j'ai pris plein de vidéos et tout. Et là on a Nothing Here. Rejoins la copine de MV, Camille. Et on va faire un peu de shopping. Voilà, voilà. Mais par contre du coup hier j'ai fait une crise de fou. En fait j'avais pas mangé avant de boire et du coup j'ai fait une crise de foie toute la nuit. Voilà, alors que j'ai bu que du champagne, enfin j'ai bu un peu de champagne, mais je tiens pas l'alcool, donc voilà. On a trouvé plein de petits trucs trop mimi. C'est à Nothing Here. C'est trop chou. Audi, t'as trouvé un truc? Ah. On avait dit on arrête. Montre. Ça avec un petit t-shirt en dessous. Ok, merci pour tes conseils MV. Ma mère elle est fan de la famille royale, du coup je lui ai pris tout ce qu'elle avait plus en fait. Il lui faut toute la famille royale, parce qu'on a un coin avec eux et tout de la famille royale. Elle adore Harry et Meghan, donc je lui ai pris la tasse, elle est trop contente. La princesse Diana, bon ça c'est juste par principe, après on l'aime pas trop dans la famille mais bon. Il y a une maman là qui a passé et qui s'est embrouillée avec MV parce que la meuf elle. Mais MV, Camille. Si je la trouve, c'est juste moi. Et Camille aussi. Moi je lui ai dit de retourner dans son pays. C'est parce qu'elle s'est énervée parce que OG essaie une robe. Non mais c'est ça les Français. Les Français ils savent pas qu'en Angleterre t'as pas le droit de critiquer les gens. Ouais, voilà. Tu critiques pas gratuitement. Ouais. Surtout que vu qu'on est Français, on a entendu. Enfin, elles ont entendu. Ouais, c'est trop beau. C'est magnifique. C'est pas trop là. Non, tu m'en veux. Bah, OG a son train avant nous, du coup elle part, on la laisse. On l'a déposée à la gare. Nous on va aller manger. En vrai, on a juste une heure de décalage. Qui suis-je? Avec MV, on s'est posé dans un espèce de café et on va se péter le vide. On a commandé ça et plein d'autres trucs. Donc on a pris des pancakes, des courgettes. Des chips de courgettes. Ah, des chips de courgettes. Moi j'ai pris de grosses saucisses. Sorry. Ouais, oh, thank you. Du bacon. Montre comment je mets le marcole sur la. Vas-y, montre. C'était pas sexy comme tout à l'heure. C'était plus lent. Mais t'as pas plus de stockage toi? Si, mais j'ai trié. J'ai rentré de Londres, c'était trop bien. Du bien de revoir les filles et de partir un peu de Paris et de la France. Que j'étais pas partie depuis un bail. Mais du coup, ça m'a fait grave plaisir et c'était grave une bonne expérience que je conseille à faire en famille d'ailleurs. Non, en vrai, il y avait beaucoup de filles qui sont venues au show Magic Mike avec leur maman et je pense que pour les 60 ans de ma mère, je vais faire ça. Je vais l'emmener faire. Je vais l'emmener voir un show Magic Mike avec mon papa à côté. Je sais pas. Bref, j'espère que vous avez kiffé ce vlog. Bisous les kikis.